Bonjour et bienvenue à notre deuxième émission. Aujourd'hui, nous parlons de dépendance, entre autres le tabagisme. Pour nous entretenir sur le sujet, je vous présente Nicole Vachon, naturothérapeute et hypnologue membre de l'Association des hypnologues du Québec. Bonjour Nicole. Bonjour. Depuis combien de temps pratiquez-vous l'hypnothérapie? Ça fait maintenant 10 ans que je pratique. Le tabagisme est-elle la principale forme de dépendance que vous traitez? Non, il y en a énormément de dépendances. On est tous dépendants de quelque chose en général. La plupart des gens sont dépendants de quelque chose. Le tabagisme en est une. Nécessairement, il y a aussi plusieurs autres dépendances comme l'embonpoint, par exemple, qui est une dépendance à la nourriture. Il y a des dépendances affectives. Il y a de nombreuses dépendances qu'on peut aider avec l'hypnose. Et le tabagisme est un moyen efficace. Si vous voulez, l'hypnose est un moyen efficace pour aider à arrêter de fumer. D'après votre expérience, est-ce que l'hypnose aide aux gens à se défaire de cette manie? Oui, absolument. L'avantage de l'hypnose, c'est que d'abord, on travaille individuellement avec les gens. Et comme chaque personne fume pour des raisons différentes, alors à ce moment-là, c'est que quand on est en thérapie avec une personne et qu'on peut la voir de façon, très individuelle, on peut, avec elle, voir le fond du problème, savoir pourquoi elle fume vraiment, quelles en sont les raisons. Et à ce moment-là, à l'aide de la thérapie, bien, on peut l'aider à cesser de fumer de façon relativement facile. Qui peut avoir recours à l'hypnose pour arrêter de fumer? Puis, est-ce qu'il y a un moment plus propice où on devrait l'essayer? Bon, je pense que le moment propice, c'est d'abord, ça va avec la perception que la personne a du moment. C'est vraiment elle qui décide à quel moment elle veut arrêter de fumer. Faut qu'elle soit prête. Faut qu'elle croit en l'hypnose. Faut qu'elle croit que c'est un moyen efficace. Faut qu'elle soit vraiment décidée aussi, parce que si elle vient seulement par curiosité, il y a des bonnes chances que ça fonctionne pas. Par contre, si elle a confiance en l'hypnose, confiance au thérapeute qui va pratiquer, qui va utiliser l'hypnose, à ce moment-là, elle a presque 100% de chance de vaincre le problème. Le régler. Puis c'est quoi juste les avantages d'utiliser l'hypnose pour cesser de fumer? Bon, d'abord, c'est très bref comme thérapie. On n'a pas besoin de venir en hypnose, à moins naturellement que ce soit une dépendance autre que simplement fumer, là, pour le plaisir de fumer. On n'a pas besoin de venir à plusieurs rencontres. Ordinairement, 1 ou 2 séances suffisent amplement. Maintenant, on peut aider la personne à régler d'autres problèmes qui souvent vont être abrités par la cigarette qui va être nécessaire. Une béquille. Et puis, on peut facilement cesser de fumer après 1 ou 2 rencontres. C'est assez bref. Moi, je trouve que c'est très avantageux. D'ailleurs, le sevrage aussi, j'ai remarqué chez la plupart des clients que le sevrage est beaucoup plus facile lorsqu'on cesse de fumer avec l'hypnose, parce qu'on donne de bons moyens sous hypnose qui vont aider la personne à maintenir sa volonté de ne plus jamais fumer. Merci beaucoup, Mme Vachon. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant, allons voir sur la rue si les gens ont peur de l'hypnose. J'ai plutôt peur de ces choses-là. Comment je réagirais ou bien comment je reviendrais à moi? C'est ça qui me fait peur. Être dans un état où je ne veux pas être en contrôle de moi-même, c'est quelque chose que j'ai de la misère à... Ça vous fait peur? Ça me fait un petit peu peur, oui. Je sais pas, j'aurais peur de ce qu'ils me font faire pendant que je suis pas consciente. Comme expérience, oui, avec une personne qui possédait cette technique-là, et j'ai été surprise parce que au début, hypnose, pour moi, ça représentait Houdini, ça voulait dire que tu savais plus ce que tu faisais, que tu n'étais pas consciente du monde extérieur, puis il y avait une crainte face à cette technique-là, parce que je pense que c'est carrément une technique. Et là, j'ai découvert que c'était juste... D'abord, on est très conscient et on fait un effort. On veut entrer en état d'hypnose et on est conscient qu'on est en état d'hypnose et on peut y mettre fin quand on veut. C'est un exercice.
Bonjour Cornelia. Bonjour Danielle. Dis-moi, les peurs que les gens ont exprimées envers l'hypnose, est-ce qu'elles sont justifiées? Le manque de connaissances dans un domaine sur un phénomène ou sur une situation nous rend toujours inquiètes et prudents. Et je trouve que la prudence est bien importante pour nous protéger. Dans le cas de l'hypnose, si elle est appliquée par quelqu'un qui est compétent et responsable, il n'y en a pas de danger. C'est quoi les peurs les plus fréquentes? Oh, savez-vous, les gens ont peur de toutes sortes de choses. Premièrement, ont peur de nous rencontrer. Peur que les autres le sachent. Peur de ce qui va arriver en séance. Mais toutes ces peurs-là cachent une seule peur, celle de ressentir. Ressentir quoi au juste? Danielle, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, avant d'apparaître la première fois devant une caméra? Des papillons dans l'estomac, des battements de cœur ou des craintes que tu ne seras pas à la hauteur? Donc, ressentir les émotions. C'est en plein de ça. Les gens ont peur de ressentir leurs propres émotions. Et en hypnose, ils apprennent à apprivoiser ces émotions, à les démystifier, à leur donner leur juste valeur et à les dominer au lieu d'être dominés par les émotions. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un d'autre soit présent à la séance, dans une séance? Bien sûr, parce que les gens ont peur de nous rencontrer tout seuls des fois et ils ont besoin d'être rassurés, d'être réconfortés pour pouvoir apprivoiser l'hypnose. Et ça me rappelle le cas d'une jeune dame qui est venue pour un problème d'insécurité. Et après quelques temps, elle m'avait raconté, « Tu sais, Cornelia, les premières fois que j'étais venue te voir, j'avais une consigne avec mon mari. Si je ne sortais pas de ton bureau avant 9 heures fixe, elle devrait après le 9-1-1. Une chance que j'avais fini mes séances à temps. » Et, bien sûr, elle a eu besoin dans ce temps-là d'une porte de sortie, de secours. Et je la comprends bien. Et maintenant, aujourd'hui, bien sûr qu'on rit tous les deux de ça. Fait qu'une personne qui est hypnotisée, est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait? La personne qui est hypnotisée est toujours consciente de qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait. Et, bien sûr que nous autres, on explique à la personne qu'est-ce qui se passe dans une séance d'hypnose et comment qu'elle va réagir pour anticiper un peu les phénomènes qui vont se passer durant les séances. Puis l'état de transe, est-ce que c'est un état passif? Non. On peut rien faire sans la coopération de la personne. Fait qu'une personne peut refuser les suggestions que vous lui donnez, au fait? Bien sûr, les suggestions qu'on lui donne, si elles contraviennent à ses principes fondamentaux de vie, sont rejetées. Pourquoi doit-on fermer les yeux durant la transe? C'est simple, parce que au moment où on a les yeux fermés, on peut se concentrer plus facilement. Mais il y en a des cas où les gens ont peur du noir ou ont peur de fermer leurs yeux. Et à ce moment-là, on leur recommande de fixer un point ou quelque chose, un tableau qui est dans la pièce. Et de cette manière-là, ils peuvent garder leur concentration en gardant les yeux ouverts. Et pour t'expliquer plus clairement cela, on revient à l'explication que j'avais donnée dans l'autre émission sur la petite fille dans son cours de maths qui regardait les yeux grands ouverts, mais elle était dans une petite transe. Je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut être hypnotisé contre son gré? Non, c'est impossible. On doit être consentant pour être hypnotisé.